Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur un mode de jeu ajouté il y a peu sur le serveur Epicube. Je parle bien sûr de l'UHC. Alors le concept de l'Ultra Hardcore, hein, je pense qu'on ne le présente plus, c'est un jeu extrêmement connu, donc c'est du PVP, le but étant d'être le dernier en vie. Là où la difficulté est présente, c'est que la régène de vie est désactivée, donc il faut faire très attention, éviter de prendre des dégâts, et la seule façon de regagner sa vie, c'est soit avec des pommes en or, soit avec des potions de soins. Vous avez donc différentes possibilités pour jouer à l'UHC sur Epicube, soit en solo, donc vous vous retrouverez sur une partie face à 39 joueurs, donc il y aura donc au total 40 joueurs sur la partie, soit en équipe, alors vous avez des équipes de 2, des équipes de 3 et des équipes de 5, donc en fonction du mode de jeu que vous choisirez, vous affronterez donc soit 40 joueurs, soit 42 notamment, pour le mode de jeu en équipe de 3. Et chacun de ces modes de jeu se divise en deux catégories, la version Eternal Day, dans laquelle il fera constamment jour, et la version jour-nuit, dans laquelle le cycle jour-nuit est activé. Donc faites attention à la nuit, vous risquez de croiser quelques petits monstres à l'extérieur. Si vous rejoignez un mode de jeu en équipe en ayant au préalable créé un groupe avec vos amis sur le web d'Epicube, eh bien vous rejoindrez automatiquement la même équipe une fois en jeu. Sinon pour rejoindre une équipe, eh bien c'est très simple, vous faites un clic droit avec la bannière en main, vous choisissez l'équipe que vous désirez entre les creepers, les têtes de mort, vous avez donc différents choix de bannières et vous avez simplement à inviter vos amis à rejoindre la même bannière et vous serez donc au complet dans une même équipe. Une fois que tous les joueurs auront rejoint le lobby, la partie pourra commencer, vous serez donc téléporté avec vos coéquipiers ou vous seul sur une petite plateforme, donc ça vous laissera le temps de regarder un petit peu où est-ce que vous avez spawn et vers où vous choisirez de vous diriger. Et sachez également qu'une fois que la partie a commencé, vous ne pouvez pas infliger de dégâts à vos coéquipiers. La carte sur laquelle vous êtes téléporté fait du 2000x2000 et est délimitée par des world borders. Le Nether quant à lui est illimité, vous permettant comme ça si vous le souhaitez de vous balader aussi loin que vous le souhaitez pour trouver des forteresses. Sachez tout de même qu'au bout d'une heure et demie, la carte commencera à se réduire progressivement, donc les world borders vont se rapprocher petit à petit du centre, à savoir 0-0, et le Nether sera fermé, téléportant ainsi tous les joueurs toujours présents dedans, dans l'Overworld. Le PVP ne sera ensuite activé qu'au bout de 20 minutes, vous laissant ainsi le temps de vous préparer, et une fois le PVP activé, eh bien sachez que si vous faites un kill, une pomme en or sera lootée sur le cadavre de votre adversaire, que vous puissiez donc regagner un petit peu votre vie. En parlant de pommes en or, et bien sachez que quelques crafts ont été désactivés dans cette UHC pour éviter les parties trop déséquilibrées, notamment la pomme en or enchantée, donc vous ne pouvez pas fabriquer de pommes en or avec des blocs d'or, vous pouvez donc uniquement fabriquer des pommes en or avec des lingots d'or. De la même façon, les potions de niveau 2 ont été désactivées, vous ne pouvez fabriquer que des potions de niveau 1, vous ne pourrez pas donc améliorer vos potions avec de la glowstone. Alors pas de panique, hein, puisque pour surveiller ces informations, c'est très simple, il suffit de regarder votre scoreboard à droite de votre écran lorsque vous êtes en jeu, donc il vous indique le nombre de joueurs restants en vie, votre distance par rapport au centre de la carte, qui je vous le rappelle est donc 0-0 au niveau des coordonnées, le temps restant avant le PVP, ou si celui-ci a débuté, donc le temps restant avant la réduction du mur et la fin du Nether. Lorsque vous jouez en équipe, les pseudos de vos partenaires et leur état de santé est également indiqué à droite dans votre scoreboard, et en plus de cela, vous avez une petite flèche, une mini boussole intégrée qui vous permettra de retrouver vos compagnons plus facilement. Voilà, donc je pense qu'avec toutes ces informations, vous êtes parés pour faire de beaux UHC sur Epicube. Je vais tout de même vous donner 2-3 petites infos utiles qui pourraient vous servir, donc par exemple, sachez que si jamais vous êtes déconnecté en jeu, que ce soit donc avec un crash de votre jeu Minecraft ou une coupure de votre connexion internet, et bien sachez que vous avez 60 secondes pour vous reconnecter, puisque pendant ces 60 secondes, pendant que vous êtes déconnecté, un PNJ vous remplacera en jeu. Par contre, si ce PNJ est tué, malheureusement, eh bien vous mourrez, même si vous vous reconnectez, pour éviter que les gens se déconnectent en plein combat. Les portails du Nether, quant à eux, sont protégés, pour éviter que lorsque vous téléportiez, vous tombiez sur un portail piégé. Un anti-cheat a été spécialement développé pour le mode de jeu UHC sur le serveur, alors vous le saviez, nous avions déjà un anti-cheat automatique, à savoir Warden qui bannit donc automatiquement les cheaters, et bien là c'est une version améliorée, donc gare aux tricheurs. Pour finir, sachez que les biomes océans ont été remplacés par des biomes de plaine et de forêt pour éviter que les joueurs apparaissent donc automatiquement dans de l'eau sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et un mode de jeu spectateur a été spécialement développé, donc lorsque vous mourrez, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche E et de choisir ensuite le joueur sur lequel vous souhaitez avoir la vision, vous êtes ensuite téléporté dessus, donc libre à vous ensuite avec la 1.8 de cliquer dessus pour rentrer dans sa vision, ou de vous balader autour du joueur. Pour ce qui est de la répartition des Epic Coins en UHC, c'est assez simple, donc lorsque vous tuez quelqu'un, ce sont 20 Epic Coins qui vous sont donnés, lorsque quelqu'un meurt et que vous êtes toujours en vie, ce sont 5 Epic Coins que vous recevez, donc dès que quelqu'un meurt, tous les joueurs reçoivent 5 Epic Coins à partir du moment où la phase de PVP a commencé, et lorsque vous remportez un UHC, ce sont 100 Epic Coins qui vous sont offerts et 15 Legendary Coins. Sachez également que les 2e et 3e derniers joueurs en vie remportent également un petit lot. Pour ma part, mon record personnel dans une partie d'une heure et demie
en UHC aura été de 3566 epic wins, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos propres records sur Twitter, histoire que nous puissions comparer un peu. Et voilà, ce sera tout pour ce tutoriel autour du mode de jeu UHC sur Epicube. J'espère vous croiser en jeu et à bientôt sur le serveur.